Je m'appelle Lou, donc je suis en troisième année en apprentissage en agronomie agro-industrie à Uny-la-Salle. Je veux agir pour la planète parce qu'aujourd'hui, les activités humaines sont de plus en plus impactantes sur l'environnement. On l'observe notamment par tout ce qui est réchauffement climatique, par tout ce qui est modification de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air. Et on a vraiment des conditions de plus en plus extrêmes pour la biodiversité, donc une chute finalement de cette biodiversité qui est à préserver. Donc maintenant, il est vraiment vital et nécessaire d'agir justement pour la planète. Aujourd'hui, j'agis à travers mon apprentissage notamment. Donc, j'ai rejoint une grande entreprise agroalimentaire qui travaille dans la transformation de légumes pour 3 ans. Et j'ai rejoint directement le pôle environnement du site sur lequel je travaille. Au sein de ce site, je gère différents projets d'amélioration pour réduire l'impact de mon entreprise sur l'environnement. Au niveau associatif, j'ai également participé à la mise en place d'une livraison hebdomadaire de produits locaux et frais à l'école. À titre personnel, je m'investis également au quotidien dans le développement durable. J'ai réduit mes déchets, je fais du compostage, du covoiturage, ça m'accompagne tous les jours. Uny-la-Salle est une école qui s'investit vraiment pour le développement durable. Et on retrouve cet engagement dans tous les aspects de l'école, c'est-à-dire au niveau de la qualité des enseignements, donc ils portent sur la biologie, l'environnement, l'agronomie, la transformation, l'entièreté de la filière est représentée et axée sur le développement durable. Et cette approche globale correspond vraiment à mes attentes et à mes convictions. J'agis également au sein de mes engagements associatifs sur le campus, notamment en tant que présidente de l'association Gardenia, donc qui tourne autour du végétal et de l'exposition de plantes. Nous allons organiser donc un événement éco-responsable chaque année avec des étudiants et d'autres acteurs du développement durable. Si vous cherchez à concilier apprentissage et développement durable, mettre en pratique vos convictions à Uny-la-Salle, c'est vraiment possible et j'en suis la preuve.